Nous allons parler le déclin des réveils. Il y a 12 petits points que je voudrais partager vite fait avec vous. Et ça maintenant, sommes les amis balamiqués. Ce sont des pensées mais qui tirent leur fondement dans la Bible, qui peuvent nous aider à réfléchir ensemble avec vous. 12 petits points. Écoute le premier point. Le début d'un mouvement de réveil est toujours diamétralement à la fin des réveil. Le début d'un mouvement de réveil est toujours diamétralement opposé à son déclin. Quand vous regardez le début d'un mouvement de réveil, et vous regardez le déclin des mouvements de réveil, on vous dit c'est la même chose. Mais c'est pas possible. Comment ils sont passés de tel point jusqu'à tel point? C'est-à-dire le déclin des mouvements de réveil est diamétralement opposé à son début. C'est pour cela. À un moment donné, lorsque vous regardez, vous comparez, vous dites non, ça ce n'est pas ce qui a été au début, c'est qu'il y a sommeil spirituel. Deuxième chose, le début des réveils est comme du miel et ça fait comme une carie. Une personne qui trouve du miel, comment il est dans la joie? Comment il est dans la joie d'écouter ce miel? Comment ce miel lui apporte la bénédiction? Ça c'est le début du réveil. Mais la fin est semblable à une carie. Cela veut dire qu'il n'y a que des mots, des difficultés, des désordres, il n'y a que des maladies. Je préfère être au début d'un mouvement de réveil et à son déclin. Parce qu'à son déclin, c'est comme une carie. La société sera affectée. Tout le monde qui sera tout autour sera affecté. Parce qu'il n'y aura plus le goût. Mais ça sera des mots. C'est pour cela une église qui arrive dans son déclin. Un mouvement de réveil qui arrive à son déclin. C'est beaucoup plus une église qui va produire des mots. Troisième chose, le réveil commence comme un feu du volcan. Et finit toujours comme une chambre froide. Le réveil, au début, c'est le feu. Partout c'est le feu. C'est comme un volcan qui se déchaîne. Ça ravage tout. Les barres sont fermées. Les hôtels sont fermés. Les couches sont fermées. Les couloirs sont convertis. Ça ravage tout. Mais la fin du réveil, chambre froide, des serpents réapparaissent. Plus l'onction de Dieu. Et par contre, ça peut exister. Pas une goutte d'onction. L'internet à mon côté. Pourquoi? Vous venez dans une réunion. Vous sortez comme vous êtes venu. Ça, c'est la fin du réveil. Il n'y a même plus l'esprit de l'éternel. Il n'y a même plus de langue. Il n'y a même plus de prophétie. Il n'y a même plus de parole authentique. Les démons vont signer un traité de paix avec des frères et des sœurs. Un traité de non-agression.
Je refuse la chambre froide. Quatrième chose, le début du réveil avance le royaume des cieux. Mais la fin du réveil avance le royaume du diable. Kasi suka ya bona muki e koli saka bokonza satana. Lorsque le réveil est allumé, tamo bona muki et les âmes sont sauvées. Milimo et les familles sont délivrées. Na boke kambo les âmes sont affranchies. Milimo et kambo le royaume des cieux avance. Bokonza zambe et keli bosoke. Mais lorsque le réveil s'arrête, c'est tamo bona muki et le réveil est atteint. Je vais faire avancer le royaume de Satan. Cinquième chose, allumer le réveil, c'est l'œuvre de Dieu. Mais éteindre le réveil, c'est l'œuvre du diable. Hier, je vous ai dit, frères et sœurs, à tout moment lorsque le réveil est allumé, il travaille pour sa destruction. Oui, à ce sens-là, pour la gobelle, ça n'est rien. Que le Seigneur. Si Dieu est celui qui allume le feu, si Dieu est celui qui allume le feu, ce qui nous amène à Zahim, notre appel, ça veut dire tant que nous sommes connectés avec lui, il y aura toujours un feu qui va briller. Et lui, quand on va dire qu'on a mis la main et qu'on a mis la main, on a mis la main. Laissez-moi vous dire une vérité. Dites-le sur le seul moment. Même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lampe qui continue à être brûlée. Que le feu ne peut pas s'éteindre. Dieu a toujours à réserve de quelqu'un qui va garder le feu. Et à partir de ce feu-là, Dieu est capable de réallumer, de commencer à embrasser de nouveau. Je suis sûr ce matin, vous êtes un feu stratégique de Dieu. Lorsqu'il y a le réveil, c'est facile pour le diable d'éteindre de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Lorsqu'il y a le réveil, pour que le diable arrive à éteindre ses réveils, pour lui de l'éteindre de l'intérieur plutôt de l'extérieur. D'être à l'intérieur et de commencer à détruire. Voilà pourquoi la plupart des gens qui nous ont fait du mal dans l'église, ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des païens.
de nous. Il avait des habits de porc et de brebis. Mais à l'intérieur, c'était de loups. Ils ont détruit les réveils. Ils ont transformé les réveils en une autre chose. Faisons attention à des gens qui disent qu'ils sont de Dieu, mais en réalité ils ne sont pas de Dieu. Huitième, septième chose. Si nous faisons revivre les pionniers du réveil, seront-ils heureux de ce qui se passe aujourd'hui? Faisons revivre bien. La question à Pierre. Comment tu vois cette église? Quelle sera l'impression de Pierre? Prenons Paul. Nous disons Paul. Que Dieu paix. Si on me paie les églises de Kinshasa, mais ça mis ces jours, la Paul sera malade. Prenons l'exemple comme Martin Luther. Qui a allumé le feu? Qui a traduit la Bible en allemand? Les déclats des réveils
peut engendrer une armée redoutable de fanatiques religieux au lieu ou place des disciples de Jésus-Christ. Nabo ente bokiti sema bona muki. Eba kondime akaka oyezalie te ba komo ba fanatique ya makamela mabo. So ba bata na ba fanatique ya Jésus-Christ ba. Jésus-Christ est une armée redoutable. Na lo bili pingo ba komo beta tembe. Des fanatiques religieux, ba fanatique ya makamela. Ils ne connaissent pas Jésus. Bo ba yebi Yesu. Ils connaissent pas la parole. Ba yebi lino ba. Ils connaissent que leur tati. Ba yebi ka papa na mamo. Ils te font que leur tati. Ba so lo bela ka papa na mamo. Ils ne parlent que de leur tati. Le déclin de réveil peut transformer l'église en un gigantesque supermarché. Lorsqu'il y a le réveil, c'est pour cela lorsque je suis en train de parler aux frères, je dis, nous sommes dans le déclin des réveils qui avaient commencé. Les gens poussent. Les gens qui croient que parce qu'ils ont construit des bâtiments, c'est ça le réveil. Les gens croient comme si on a mis des vestes. C'est ça le réveil. Les gens croient que comme on a mis des micros, c'est ça le réveil. Mais le réveil n'a rien à voir avec tout ça. Le réveil, c'est la prise de conscience d'un peuple qui est plus près de Dieu. Yeah.
C'est une question de prise de conscience. Mais comme Toyo qui incline un peu nos têtes un moment dans la prière. Parce que votre présence ici, pasteur, prouve à suffisance que c'est vous, plus que jamais, que Dieu a choisi comme instrument du réveil. J'aimerais que nous puissions prendre un moment de remercier Dieu pour cette première intervention et prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.